Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Aujourd'hui nous avons une question, comment ne plus avoir peur de la solitude Je pense que ça peut intéresser pas mal de, de personnes. Pour comprendre d'abord le mot solitude, il y a des personnes qui n'ont pas peur de la solitude, qui sont, c'est-à-dire, euh, dans une présence euh, où, même seules, elles se sentent dans une qualité de présence avec elles-mêmes. Et puis, c'est important de dire on peut être avec beaucoup de monde, on peut être même dans une relation de couple et se sentir extrêmement seul. Donc ça, c'est important déjà de, 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 de bien le comprendre, que ce n'est pas une question d'être avec du monde ou pas, ou d'être en relation ou pas. C'est un état interne où il y a une sorte de vide à l'intérieur, qui peut se réactiver évidemment lorsqu'on a une relation qui, qui ne fonctionne pas ou que, ou que notre conjoint ou notre conjointe nous a quittés. Il y a un, un endroit évidemment où on peut retrouver cet espace de, de, de vide, de peur d'être seul. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une racine à ça. Et qu'au départ, on a l'impression que quand on rentre dans un espace comme ça, on a l'impression que c'est un vide phénoménal, que ça va jamais s'arrêter. C'est important que si, tout doucement, on apprivoise cet espace. La racine de ça, elle, elle date quand on a vraiment une peur atroce et c'est un désespoir énorme en fait de sentir cette solitude. C'est lorsqu'on est en fait un bébé, un bébé. Euh, si un papa, une maman ou quelqu'un ne vient pas euh, le contacter, le chercher, il sent dans ses cellules une sorte de peur de mourir parce qu'il a un tel besoin de sécurité, de protection, d'attachement, que là pour lui c'est le désespoir. Donc lorsqu'on sent ça en tant qu'adulte, c'est une racine qui vient de cette très fond de notre conscience évidemment qu'on a oublié parce qu'on n'avait pas euh, le, le cerveau n'était pas mature et donc ce que l'on ressent parfois aujourd'hui en, en tant qu'adulte a une racine dans nos cellules qui date de peut-être qu'on avait deux jours trois jours de vie un mois de vie ou un an mais en tout cas on n'en rappelle pas c'est pour ça qu'il faut faire confiance à tout doucement à pouvoir apprivoiser cette peur, parce que derrière ça, en fait, c'est faux, si c'est une illusion, c'est une mémoire qui vient se réaffecter. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, euh, on, on peut, on a des jambes, on peut aller voir quelqu'un, on peut téléphoner, mais lorsqu'on est bébé, le vrai, la vraie réalité, c'est que quand le bébé ou l'enfant était seul, lui, il n'avait pas ses capacités. Et c'est ça qu'on sent dans les cellules, cette peur atroce, ce grand désespoir et ce vide, qu'en fait, la mémoire de l'enfant, comme les poupées gigantes, vous, vous êtes aujourd'hui euh, l'adulte, mais petit, 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 à l'intérieur de nous, il y a encore cette mémoire. Donc, comment on fait tout d'un coup pour ne plus avoir peur C'est d'abord d'accueillir le fait que notre propre présence va pouvoir englober, dissoudre cette mémoire. Et donc, c'est tout doucement apprendre de la présence à soi ça commence par ou de la sophrologie où on peut faire de euh, habiter son corps pour commencer à ne pas comme l'enfant a dû faire parfois euh, Sortir de son corps pour survivre c'est à dire qu'il n'a pas pu sentir l'énergie euh, qui était tellement dans son corps et c'est comme ça qu'on se dit ceci donc tout doucement en tant qu'adulte c'est revenir et accepter de sentir pour faire des traversées et pour voir qu'aujourd'hui euh, cette présence nous habite et qu'on le soit avec ou sans quelqu'un, eh bien, euh, nous sommes dans cette qualité de présent et cette peur après peut, peut nous quitter. Voilà. Bon, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires par rapport à ce que je viens de dire, surtout avec grand plaisir, et, euh, inscrivez des, des commentaires en dessous de cette vidéo. Et puis si vous désirez également euh, continuer à, à me suivre, inscrivez-vous à la chaîne Enquête du bonheur afin de recevoir toutes les notifications. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve très 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 prochainement pour une nouvelle question. Au revoir.